Bonjour, ceci est Carmen et vous regardez une des gestes vidéo hebdomadaires sur le projet SkyRail. Depuis 5 épisodes, nous travaillons à domicile pour vous tenir au courant des événements actuels de la vie du projet. Par conséquent, installez-vous confortablement et regardez les meilleures nouvelles sur la technologie SkyRail dans un format maison. Regardez dans cet épisode. Les employés du Unisk String Technology Co. ont dit pourquoi on a besoin de maquettes de transport SkyRail. Les chaînes de télévision arabes ont montré la performance d'Anatoly Unisk et le transport SkyRail. Dans notre blog, nous avons publié un article sur les dangers du transport routier pour la nature. Parlons de ce sujet plus en détail. Pensez-vous pourquoi le projet SkyRail a-t-il besoin d'un constructeur en bois? Il s'avère que cela aide à construire des maquettes de transport à cordes et à choisir les solutions les plus efficaces pour le futur modèle. Selon le designé de Unisk String Technology Co., Dmitry Ignatovich, une technologie similaire est utilisée dans de nombreuses productions automobiles. Au lieu du bois, on utilise de la pâte à modeler spéciale. Le constructeur en bois SkyRail présente plusieurs avantages. Par exemple, toutes les pièces peuvent être rapidement changées et réutilisées. Le constructeur Alexandre Volkov a montré à quoi ressemble une maquette en bois assemblée. Maintenant, avec l'aide de celle-ci, il développe un salon confortable pour le futur transport. Une fois les tests terminés, le personnel du projet pourra commencer à produire du matériel roulant en métal. Vidéo sur les maquettes pour le transport SkyRail, voir la description. Dans chaque pays, le coronavirus est combattu à sa manière. Par exemple, les pays arabes ont lancé le programme Let's Challenge Corona, auquel le fondateur de SkyRail, Anatoly Unisk, a participé. La performance du concepteur a été vue par les téléspectateurs de 25 chaînes de télévision de Palestine, d'Égypte, de Tunisie et d'autres pays. L'émission a également été montrée dans les Émirats arabes unis, où le transport à courte se développe. C'est là que la construction du centre d'innovation SkyRail a commencé en 2019. Anatoly Unisk a rejoint un mouvement important dans le pays et alloué des fonds personnels à l'une des actions caritatives. L'émission a montré une performance d'Anatoly Unisk de l'éco-technoparc et des images de transport à cordes et les présentateurs ont remercié le concepteur et le projet SkyRail pour leur soutien. D'après vous, comment cette émission affectera-t-elle la popularité de SkyRail aux Émirats arabes unis? Partagez vos avis dans les commentaires. Pour faire une pause dans les nouvelles sur le coronavirus, allez sur notre blog sur le site. Là, nous publions des articles sur la finance, l'écologie et la technologie SkyRail. Cette semaine, un article de blog a été publié sur la façon dont le transport routier nuit à la nature. Dans cet article, nous avons expliqué en détail pourquoi une voiture personnelle pourrait être la cause du réchauffement climatique et comment le projet SkyRail rend le transport plus respectueux de l'environnement. Dans le nouveau matériel, vous trouverez des faits intéressants et des statistiques à jour, ainsi que pourrez apprendre à aider personnellement l'environnement. Lien vers le nouvel article dans la description sous la vidéo. C'était toutes les nouvelles de la semaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!